Tous les hommes ont droit à l'eau potable. Ce droit, les Nations Unies l'ont inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 2010, grâce à la Fondation France Liberté. Mais face à l'eau, certains hommes sont plus égaux que d'autres. Il faut 11 000 litres d'eau pour produire un hamburger. Chaque jour, un Allemand moyen en consomme 40 litres en allant aux toilettes. Et un robinet qui fuit gaspille 17 litres d'eau par jour. La réalité, ce sont ces chiffres qui suscitent le malaise, tant ils sont révélateurs de la bêtise et de l'injustice ambiante. En 2025, 5 milliards d'êtres humains manqueront d'eau. Et que dire face à cette autre aberration? De l'eau en bouteille qu'on fait venir des îles Fidji, alors que 35% des Fidjiens n'ont pas accès à l'eau courante. Et que dire des centaines de milliers de tonnes de CO2 qu'on émet pour embouteiller, puis pour transporter d'un bout à l'autre de la planète, de l'eau en bouteille en plastique? Voici De l'eau en bouteille pour qui? Un film de Sandy Smith. We only sell water now, sir. We are the first real water pump. Real water? Yes, yes. What sort of real water do you stock? All sorts. We've got Alpine mineral water, we've got Island stream water, we've got Windermere lake water, we've got Canada dry water, Red Indian running water. Canadian glacier water. De l'eau de glacé canadien. Vattevillers, c'est français, de l'eau de puits artésiens de Patagonie, de l'eau d'iceberg, sans minéraux, de l'eau volcanique de Nouvelle-Zélande, de l'eau écossaise du Glenlivet. Cela fait toujours rire, mais ce n'est plus une blague. S'il y a 20 ans, les Ronnies se moquaient de cette idée absurde, aujourd'hui, nous sommes prêts à payer 100 fois le prix de l'eau du robinet pour une bouteille d'eau minérale. Quite a selection. You seem to have water on the brain. Yes, we've got that up here, so À l'hôtel Claridge de Londres, on vous propose une carte des eaux de plus de 30 variétés différentes. Voici une eau très intéressante, le jus de nuage, une eau de pluie. Elle tombe du ciel directement dans la bouteille. Le jus de nuage, très drôle. C'est juste de la pluie, non? À 10 euros la bouteille, c'est comment l'eau de pluie? Je suis certain que vous sentirez la différence. Elle a plus de goût, c'est certain. Oui, et vous sentez l'arrière-goût? Désolé, je n'ai pas le palais très exercé à l'eau. Mais papy blasé ne sent rien. Qu'en disent les spécialistes? Les sommeliers de la revue du vin Decanter vont goûter ces eaux. Sauront-ils distinguer l'eau du robinet de l'eau de luxe? C'est très difficile. Rien à voir avec le vin. Il y a des nuances très subtiles entre ces eaux, presque imperceptibles. Qui a trouvé la meilleure eau? L'eau la plus chère, c'est la numéro 10, de Nouvelle-Zélande. À 23 euros la bouteille au Claridge. Terry, tu as élu la numéro 16, qui est en fait de l'eau de la Tamise. Tu lui as donné 19 sur 20. Je l'ai trouvée délicieuse. Si l'on confond l'eau du robinet avec l'eau la plus chère, on ne peut pas se fier au goût pour justifier la différence de prix. Et les effets secondaires alors? Est-ce que l'eau du robinet est dangereuse? L'eau du robinet est parfaitement potable. Les gens achètent de l'eau minérale pour d'autres raisons. L'eau du robinet ne présente aucun danger? Aucun. Est-ce qu'elle est saine? Oui. Vous ne pensez pas que l'eau minérale est une arnaque? Une pure illusion? Une mode? Les gens aiment les eaux minérales en bouteille. Selon leur source, elles ont une composition minérale et donc un goût différent. Elles peuvent être gazeuses ou plates. Et pour voyager, une bouteille, c'est bien pratique. Il y a des tas de raisons d'acheter de l'eau en bouteille. Mais l'eau du robinet est pratiquement gratuite et a moins d'impact sur l'environnement. Quoi de plus pratique? Ce n'est pas comparable. L'eau en bouteille a des atouts que n'a pas l'eau du robinet.
C'est toute la question. L'eau, c'est toujours de l'eau, qu'elle coule du robinet ou d'une bouteille chic. Quelle différence? Les gens qui achètent de l'eau en bouteille considèrent qu'il y a une grande différence entre les deux. Ils ont confiance en l'eau de bouteille parce qu'ils savent d'où elle vient. C'est indiqué sur l'étiquette. L'eau en bouteille est bien utile dans les situations de crise, quand il n'y a plus d'alimentation en eau potable, comme pendant les inondations dans le Gloucestershire en 2007. On ne pourrait pas se passer d'une industrie de l'eau. Sans vouloir donner de leçons en matière d'environnement, j'aimerais évaluer l'impact écologique de l'eau en bouteille. Pourquoi buvez-vous de l'eau minérale? Dans la journée, c'est très pratique. On achète une bouteille, on la jette quand on l'a bu. C'est pratique. Elle a meilleur goût. Je pense que c'est mieux pour la santé. La différence majeure entre l'eau du robinet et l'eau en bouteille, c'est le mode de transport. La première est distribuée à tous les foyers par des canalisations, alors que la seconde parcourt des centaines, voire des milliers de kilomètres, avant d'arriver en magasin où nous l'achetons. Ce dernier mode de transport est très gourmand en énergie. Quand on y ajoute l'impact de la production, l'eau minérale a une empreinte carbone très différente. Un litre d'eau de la Tamise engendre 0,3 g de CO2. Un litre de Volvic, par contre, embouteillé et expédié de France, va générer 185 g de CO2, 600 fois la quantité produite par l'eau du robinet, l'équivalent d'un kilomètre en voiture. L'eau d'Évian, qui vient aussi de France, génère 172 g de CO2. Quant aux autres marques, Buxton refuse de divulguer son empreinte carbone, alors que Highland Spring et Aquapura sont en train de calculer leur impact carbone. Elle est bonne ? Excellente. Cet expert gouvernemental en matière d'alimentation et de développement durable s'est fixé un objectif. Nous devons convaincre les gens que ce n'est plus à la mode, comme nous l'avons fait pour la cigarette. L'eau en bouteille génère un gaspillage énergétique considérable, qu'il s'agisse du transport ou de l'emballage en plastique que l'on jette en décharge. Le verre, c'est pire encore. Sa fabrication exige beaucoup d'énergie, tout ça pour finir à la poubelle. Quand on y pense, l'eau du robinet est parfaitement potable. Elle est sans danger. Et on l'a déjà payée. Elle est pratiquement gratuite. Comment l'eau en bouteille est-elle devenue si populaire? Dans les années 70, quand j'avais cette super coupe de cheveux, on ne buvait pas d'eau minérale. Soudain, Perrier, avec un savant cocktail d'humour et de chic français, a fait péter nos porte-monnaies. J'ai rencontré l'un de leurs magiciens de la pub. Tous les publicitaires reconnaissent que la campagne Perrier a été un grand succès. À l'époque, les observateurs disaient « ça ne marchera pas, on ne vendra jamais de l'eau aux consommateurs anglais, ils sont trop cyniques ». En 1974, le Financial Times écrivait « il n'y a que les cinglés et les étrangers qui boiront du Perrier ». 11 ans plus tard, le journal reconnaissait que Perrier était devenu une marque emblématique. Comment s'explique ce succès? Est-ce qu'on a joué sur le snobisme des clients? La campagne reposait sur des jeux de mots autour du mot « eau » et instaurait une espèce de club d'initiés. Si l'on était capable de décoder les jeux de mots, on était admis dans ce club exclusif Perrier. On se retrouvait associé à la marque, en quelque sorte. Pourtant, aujourd'hui, le marché de l'eau en bouteille représente un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros en Angleterre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe dans la stratégie commerciale? On peut appliquer cet argument à pratiquement toutes les marques. Prenez les montres, par exemple. Pourquoi payer 12 000 euros pour une montre, alors qu'une toquante à 15 euros vous donnera l'heure aussi bien? Les gens achètent la promesse implicite d'une marque. Celle d'un style de vie, d'un statut. Voilà la fonction des marques. Pour soutenir l'attrait de ces marques auprès du consommateur, on dépense chaque année 12 millions d'euros dans la publicité pour l'eau en bouteille. Nous avons demandé à différentes instances combien de notre argent est dépensé en eau de bouteille ou de fontaine. Les ministères,
1 200 000 euros. Les conseils régionaux d'Angleterre et du Pays de Galles, 5 800 000 euros. Même la BBC a consacré l'an dernier près de 350 000 euros pour alimenter en eau minérale ses bureaux de Londres. Les marques d'eau minérale revendiquent leur impact positif sur la santé. C'est ce qui explique leur investissement massif dans le sponsoring sportif. Aquapura est le fournisseur officiel des grandes courses à pied en Angleterre. Pour le Great Sauce Run à Portsmouth, il offre 62 000 bouteilles aux 11 500 concurrents. Combien boivent-ils de cette eau si précieuse? À peine quelques gorgées, un quart de bouteille. Le reste part à la poubelle. Les coureurs laissent derrière eux un sillage de plastique dans les caniveaux. Les services de la voirie de Portsmouth doivent tout ramasser. Il faut avoir le coup de main. J'en ai loupé pas mal. C'est un gros boulot? Oui. Elles sont lourdes, non? J'en ramasse depuis 30 secondes et mon sac est lourd parce qu'elles sont pleines. Oui. L'enlèvement des bouteilles coûte 12 000 euros aux services municipaux. La plupart de ces bouteilles seront recyclées. Mais en général, un quart seulement des bouteilles est réutilisé. On en brûle une partie pour produire de l'énergie. Elles sont dérivées du pétrole et constituent un combustible efficace. Le pétrole utilisé pour la fabrication de ces bouteilles suffirait à couvrir la consommation annuelle de 17 000 véhicules. La plupart des bouteilles, environ les deux tiers, finira sur une décharge qui sera sans doute pleine dans 10 ans. Est-ce que l'industrie de l'eau, qui emploie 3 000 personnes en Angleterre, est prête à relever le défi de la pollution et des déchets? Il faut savoir que toutes les activités humaines, y compris la réalisation de ce documentaire, laissent une empreinte carbone. Nous cherchons par tous les moyens à réduire cette empreinte carbone. Prenez le conditionnement, par exemple. Les bouteilles que nous utilisons aujourd'hui contiennent 30% de plastique en moins que celles d'il y a 10 ou 15 ans. Voilà qui réduit l'empreinte carbone. Le taux de recyclage des bouteilles a augmenté. Nous encourageons les gens à recycler leurs bouteilles, ce qui réduira l'impact sur l'environnement. Et nous utilisons davantage de plastique recyclé dans la fabrication des bouteilles, ce qui contribue également à réduire l'empreinte carbone. Mais aujourd'hui, cet impact saute aux yeux. Dans le Dorset, comme sur l'ensemble de nos côtes, la mer rejette des déchets. Richard Thompson observe la marée montante du plastique. Il y a une dizaine d'années, la production annuelle mondiale de matières plastiques était de 100 millions de tonnes. Aujourd'hui, selon les chiffres des fabricants de plastique, cette production atteint 225 millions de tonnes par an. Si j'ai bien compris, elle a doublé depuis le début du siècle. C'est ce que montrent les statistiques. C'est stupéfiant. Bien sûr, les bouteilles en plastique ne sont pas les seules en cause. Mais quelle est leur part dans ce phénomène ? Les bouteilles d'eau et de boissons gazeuses représentent une grande partie des déchets que nous trouvons sur les côtes. C'est d'autant plus absurde que ces emballages ne servent qu'une seule fois avant d'être jetés, et que le plastique dont ils sont faits continuera à polluer l'environnement pendant des siècles, voire des millénaires, avant d'être dégradé. Les volontaires de Beachwatch, qui nettoient la côte, ont constaté que le volume de bouteilles en plastique a doublé au cours des 10 dernières années. Tu vois, Tom, voilà le genre de situation que nous tentons de gérer. Nous nettoyons la côte depuis 4 ans et nous trouvons toujours plus de bouteilles. Ils prennent même la peine de revisser le bouchon. Il y en a partout. Ici, là derrière, tu en trouveras. Des centaines par ici. Les bouteilles gâchent le paysage, mais il existe aussi un danger invisible. La matière première de la plupart des plastiques, ces granules perdues par les bateaux ou rejetées dans les égouts par les usines, finit très souvent sur les plages. À première vue, la plage semble assez propre. Mais si on regarde de plus près,
on s'aperçoit qu'elle est couverte de milliards de granules de plastique brut. Tout est en plastique. On dirait des petits cailloux, mais c'est du plastique. Oui, tout à fait. Et il y en a des milliards. Oui, des milliards. C'est grave ? C'est très grave. Les oiseaux aquatiques qui se nourrissent en surface, comme les guillemots et les fulmars, avalent ces granulés qui flottent à la surface de la mer. Ces granulés contiennent beaucoup de substances toxiques qui empoisonnent les oiseaux. S'ils ne meurent pas étouffés par les morceaux de plastique, ils finissent par succomber aux toxines. Sur nos côtes, la population de fulmars a baissé de 30% depuis les années 90, principalement à cause du plastique. Les chercheurs ont trouvé des morceaux de plastique dans 94% des estomacs des fulmars. En moyenne, chaque oiseau avait ingurgité 37 morceaux de plastique. Pendant que nos oiseaux meurent du plastique, nous continuons à acheter de belles bouteilles en plastique qui contiennent une eau qui vient de l'autre côté de la planète. Cette eau des Fidji, que nous proposons à nos clients depuis des années, les gens savent que c'est l'une des meilleures au monde. De l'eau des Fidji ? Oui, des îles Fidji. Elle vient vraiment des Fidji ? Je croyais que c'était juste une marque. Oui, oui. Oui, mais c'est... J'avoue que ça me dépasse. Pourquoi faire venir de l'eau des Fidji ? Est-ce qu'elle fait rêver aux îles des mers du Sud ? Il y a un peu de tout ça. Certains clients l'aiment pour son goût, d'autres parce qu'elle est pure, car elle vient d'un coin très protégé de la planète. La carte des eaux du Claridge précise que l'eau des Fidji vient de la vallée de Yakara aux îles Fidji. Nous y sommes, sur une île du Pacifique Sud, aux antipodes de l'Angleterre. L'eau est puisée dans les roches sous mes pieds et acheminée vers cette usine derrière moi. L'usine produit 600 000 bouteilles par jour. Elle appartient à une entreprise américaine et l'eau est surtout exportée vers les États-Unis. Mais on la trouve aussi en Angleterre dans des magasins de luxe comme Waitrose, Selfridge et Harvey Nichols. Pour les Fidji, c'est une aubaine. L'entreprise emploie 400 personnes et représente 20% des exportations du pays. L'usine possède ses propres générateurs au diesel. Mais c'est l'acheminement vers le consommateur qui fait exploser le bilan carbone de cette eau. C'est le transport qui est principalement responsable de l'impact de l'eau des Fidji sur le climat. C'est ici que commence un long périple vers le Royaume-Uni. Les camions transportent les bouteilles sur la côte. On les charge sur des bateaux. Ces containers sont expédiés à l'autre bout du monde, à plus de 16 000 km. À l'arrivée, on obtient une empreinte carbone conséquente. Cette activité menace les hommes autant que l'environnement. Comble de l'ironie, l'eau des Fidji provient d'une source découverte au cours de recherches menées par les autorités pour trouver de l'eau pour les autochtones. Recherche financée en partie par l'aide britannique. Cette source n'a pas été utilisée. Et 8 ans plus tard, Fiji Water commençait son exploitation. Aujourd'hui, l'entreprise exporte 155 millions de litres par an et les autorités s'inquiètent de ce prélèvement massif. La nappe phréatique pourrait subir des dégâts irréversibles. Nous risquons de perdre des ressources indispensables dans cette région si la source est surexploitée. C'est une situation très préoccupante. Fiji Water soutient que son rythme d'extraction est raisonnable. Selon elle, reste dans les limites du taux de régénération naturelle. L'an dernier, l'entreprise a versé 1,5 million d'euros de redevances aux autorités locales et souligne que ses activités ont développé l'alimentation en eau potable des îles à un rythme jamais atteint par le gouvernement fidjien. Nous sommes au cœur des contradictions entre la mondialisation des échanges et les besoins des populations locales. Alors que l'eau des Fidji coule vers le Royaume-Uni, un tiers des habitants des îles n'a pas accès à l'eau potable. Pour les Nations Unies, il s'agit d'un droit fondamental. Mais la distribution d'eau potable ne relève pas des entreprises d'eau en bouteille. C'est la responsabilité du gouvernement. On prend la mesure du problème dans les hôpitaux. Nous avons une patiente qui souffre de la typhoïde, Fatima. Je vais vous la présenter. Fatima, je m'appelle Tom. Vous êtes sa mère ? Oui. Enchanté. Parlez-moi du cas de Fatima. Fatima a été admise il y a 10 jours pour une typhoïde, un diagnostic qui s'est révélé exact. Dans quel état était Fatima quand on l'a hospitalisée ? Elle était dans un état très grave. On l'a amenée en chaise roulante. Elle était très affaiblie, déshydratée, et elle souffrait d'une toxémie grave. Nous l'avons soignée et elle va mieux maintenant. Elle a retrouvé l'appétit.
La typhoïde fait partie du quotidien au Fidji. On enregistre des centaines de cas chaque année. L'eau non potable est en partie responsable. C'est un peu effrayant. C'est la première fois que ça m'arrive. Je n'avais jamais eu ça avant. La typhoïde est souvent causée par l'eau que l'on boit ou quand on se lave les mains. Est-ce que ça pourrait venir de l'eau ? Oui, sans doute. Nous buvons l'eau d'un ruisseau. Un ruisseau. Nous venons d'admettre une nouvelle patiente du service des urgences. Elle s'appelle Luciana et nous avons diagnostiqué une typhoïde. Cet hôpital, sur la deuxième île de l'archipel, enregistre 2 cas de typhoïde par semaine. L'an dernier, ils ont traité 20 cas de typhoïde. Une épidémie s'était déclarée sur l'île de Waialevu après une inondation provoquée par un cyclone faisant 1 mort. Bonjour, je m'appelle Tom. C'est Terry. J'ai peur d'attraper la typhoïde. Dans le village, qu'est-ce qui pourrait dissiper ces craintes ? Il faudrait de l'eau potable pour pouvoir vivre sainement. La source de leurs problèmes, c'est la source de leur eau. En amont de la rivière, les gens et le bétail polluent l'eau. L'association caritative de Jeff Masters espère trouver une solution à ce problème. Voici la retenue de captage. Ce barrage a été construit il y a 20 ans. Et voilà la prise d'eau. Leur eau provient de ce bassin. Oui, elle provient d'ici. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est de l'eau polluée. Tu en boirais ? Non. C'est un comble. On peut trouver de l'eau des Fidji dans les épiceries fines en Angleterre, mais ici, ils n'ont pas d'eau potable. C'est exactement ça. Il y a eu un décès causé par la typhoïde dans ce village. Nous savons qu'ils sont victimes de maladies causées par l'eau. Ce système ne fonctionne pas. Ce n'est pas ce que l'on ferait aux États-Unis ou ailleurs. Pourquoi devrait-on le tolérer ici ? Fiji Water souligne qu'ils ont fourni des milliers de gens en eau quand les villages sont touchés par des cyclones. Dans les villages où ils s'occupent de l'eau et de l'assainissement, pas d'épidémie de fièvre typhoïde depuis plus de 5 ans. Alors que la production de Fiji Water augmente, les insulaires craignent d'être perdants. La population des îles ne tire aucun bénéfice des profits réalisés en vendant cette eau chez Harrods à Londres ou dans les restaurants de Beverly Hills. C'est une forme de développement qui n'enrichit qu'une petite minorité. Fiji Water s'est engagé à financer partiellement la distribution d'eau potable aux communautés de l'archipel. À l'école de Nangigi, les enfants étaient souvent malades en raison de l'eau polluée. Aujourd'hui, elle est potable et l'on espère que ces initiatives vont se multiplier dans l'archipel. Ça vous plaît ? Vous êtes content d'avoir de l'eau potable ? Oui. Les dirigeants de l'entreprise ont refusé de nous accorder une interview, mais ils revendiquent un bilan carbone négatif. Ils ont planté des arbres, opté pour une énergie renouvelable et diminué la proportion de plastique dans les bouteilles. Après avoir découvert le revers de l'étiquette, peut-on boire sans scrupule cette eau du paradis ? Je trouve qu'il est moralement injustifiable de consacrer des millions de livres pour de l'eau en bouteille, alors que nous disposons d'une eau courante parfaitement potable, alors que l'une des crises qui menace la planète est celle de l'approvisionnement en eau. Il y a encore des pays qui malheureusement n'ont pas accès à l'eau potable. Nous devrions d'abord régler cette question.
Si l'on veut à tout prix consacrer de l'argent à l'eau, il serait mieux investi dans l'approvisionnement en eau potable en Afrique et en Asie. Voilà les vrais besoins. Nous n'avons pas besoin d'eau en bouteille, mais il y a des besoins criants dans ces pays. C'est une véritable perversion des priorités. On suscite des besoins futiles. C'est aussi une illustration des inégalités insupportables qui persistent sur la planète, alors que l'on dépeint cette situation comme un progrès. Bellu, dans le Shropshire, est devenu un modèle de conscience écologique et sociale. L'entreprise a converti son usine aux énergies renouvelables. Elle n'exporte plus sa production pour limiter le transport. Les bouteilles en plastique sont biodégradables en compost et les profits sont entièrement réinvestis dans des projets d'assainissement de l'eau. Bellu appartient à cette nouvelle vague de producteurs d'eau qui se sont convertis à la production socialement responsable et les grands noms du secteur sont sensibles à cette concurrence. Dorénavant, Volvic s'engage à fournir 10 litres d'eau potable en Afrique pour chaque litre d'eau achetée. L'impératif moral et le souci de l'environnement vont-ils amener les buveurs d'eau minérale à changer de comportement? Cela dépendra de ce qu'ils feront à l'avenir. Mais pour le moment, je tiens au goût autant qu'à l'environnement. J'achèterai une grande bouteille au lieu de plusieurs petites. Je vais y réfléchir, mais je ne me vois pas portant une thermos avec de l'eau du robinet. Nous buvons beaucoup d'eau dans nos bureaux, mais Maureen a trouvé une solution. On peut très bien servir de l'eau du robinet dans les réunions. Aujourd'hui, la réunion se tient au siège du service officiel de protection de l'environnement, le ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Comment avez-vous décidé de renoncer à l'eau en bouteille au ministère? Nous avons conclu qu'il était idiot de dépenser plus de 9000 euros par an en eau minérale, alors que nos experts soulignaient que l'eau du robinet était tout aussi bonne. Aujourd'hui, nous utilisons des carafes. Était-ce par souci d'économie ou pour protéger l'environnement? Nous voulons envoyer un signal fort pour dénoncer l'impact de certains produits et de leur cycle de vie sur l'environnement. L'eau est une ressource vitale. Nous encourageons les gens à en boire plus. Mais cela ne signifie pas qu'il faille boire une eau qui a fait le tour du monde dans des bouteilles en plastique. Des bouteilles produites avec du pétrole qui vient de l'autre bout de la planète. Une eau dont le cycle de vie et l'empreinte carbone sont dévastateurs. Alors que nous disposons d'une eau parfaitement pure et potable au bout du couloir. En d'autres termes, il n'y a aucune raison d'acheter de l'eau en bouteille. Je crois qu'il n'y a aucune raison d'acheter de l'eau en bouteille. Sauf peut-être de l'eau gazéifiée. Pour le goût, la pureté et l'environnement, buvez de l'eau du robinet. À vous de choisir. Vous pouvez acheter de l'eau en bouteille, essayer de la recycler et en accepter les conséquences sur l'environnement, ou vous pouvez boire de cette eau inépuisable en remplissant votre thermos. C'est un choix individuel, mais ses conséquences sont universelles.